Vous avez probablement vu sur mon fil Facebook cette semaine, parce que c'est un personnage connu. Oui, il y avait le premier ministre Legault, mais il y avait à côté de lui Laurent Duvernay-Tardif, qui était à un événement qui avait été organisé au Parlement pour la semaine de la persévérance scolaire. En fait, c'était les journées de la persévérance scolaire, mais ça a duré toute la semaine. Et il y avait un événement spécial mercredi soir avec le porte-parole de cette année, Laurent Duvernay-Tardif. J'ai publié ça sur mon fil Facebook, puis je me suis dit, faut que je fasse quelque chose pour Studio Saint-Jean. Alors, on a appelé Mme Bouchard à la commission scolaire des Hautes-Rivières jeudi matin, et elle a accepté de venir nous voir vendredi après-midi au moment où on enregistre cette émission. On est toujours en journée de la persévérance scolaire. Bonjour, Mme Bouchard. On est toujours durant la semaine des journées de la persévérance scolaire. Et c'est une journée importante, ce sont des journées importantes, une semaine importante, parce que, en tout cas, pour le Québec, on a longtemps dit qu'on avait un problème de décrocheurs, mais qu'on était de très bons raccrocheurs. Une fois qu'on a dit ça, c'est des lieux communs. L'important, c'est de voir comment on fait pour travailler avec ce problème-là, parce que c'en est un problème. Oui, c'est un problème, je pense, qui est national. Puis c'est encore un plus gros problème quand on est en plein emploi, comme actuellement au Québec. Évidemment, quand il n'y a plus d'emplois disponibles, quand tous les emplois sont comblés par les gens, bien, les gens raccrochent moins, vont moins en formation professionnelle ou en formation technique. Ils sont en travail. Alors, ces journées-là sont très importantes, puis sont d'autant plus importantes que ce sont les journées où tous les partenaires manifestent l'importance de la persévérance scolaire, puis l'importance pour les jeunes et les moins jeunes d'avoir un premier diplôme. C'est important pour le reste de leur vie. Monsieur le Premier ministre en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il souhaiterait que les Québécois aient davantage d'emplois de qualité. Alors, pour avoir des emplois de qualité, ça prend un diplôme. C'est sûr que 13 $ de l'heure quand on a 19 ans ou 18 ans, Puis qu'on reste chez maman. qu'on reste chez maman, on a l'impression qu'on est en business. Mais 10 ans plus tard, si on a mal fini ou à peine fini son secondaire, on est dans le trouble. On est dans le trouble, oui. Puis c'est pour ça qu'au Québec, on a de la difficulté à diplômer les élèves avant 20 ans. Mais rendus à 29-30 ans, ils ont presque tous un diplôme, que ce soit un diplôme de formation professionnelle ou un diplôme de cégep, ou ils ont suivi de la formation en entreprise. Il a fallu qu'ils mettent les bouchées doubles pour ça, parce Absolument. que rendu à ce moment-là dans la vie, oui, c'est faisable, il y a plein de gens qui le font et c'est génial, mais ça n'aurait pas été nécessaire si on avait persévéré un petit peu. Oui, puis des fois, il y en a qui sont rendus à 29-30 ans, puis qui ont déjà des obligations familiales. Alors, c'est encore plus difficile de retourner sur les bancs d'école. On va prendre les choses par bouchées, là. D'abord, les journées pour la semaine de la persévérance scolaire. C'est un événement qui est très porteur. Il se passe plein de choses pendant cette semaine-là. Vous avez beaucoup de partenaires, vous l'avez dit. Entre autres, moi, je suis allé à la polyvalente cette semaine avec le programme de formation professionnelle lundi. C'était dans le cadre de ces Des journées-là. journées de la persévérance. Et j'ai compris un paquet de choses en me promenant avec les gens qui nous faisaient voir les ateliers, puis tous les programmes, puis la cuisine, puis tout le reste de ce qu'on a été visiter. J'ai compris que comme on est en plein emploi, les gens qui vont rester le petit 6 mois, 1 an de plus que ça prend pour aller chercher leur diplôme, ils vont avoir ce que ça prend pour longtemps après. Mais ils m'ont dit, oui, mais on a de la misère à garder. On commence avec 15, 18 élèves, puis on se retrouve en fin d'année avec seulement 10, 12 des fois, parce que les sirènes du marché de l'emploi viennent les chercher. Ça, c'est le problème actuel, là. Ça, c'est notre problème d'aujourd'hui, là. Oui, c'est un problème actuel. C'est pour ça qu'on essaie beaucoup de faire entente avec les entrepreneurs, avec les gens qui engagent ces jeunes-là pour qu'ils les laissent terminer leur diplôme, la formation pour acquérir leur diplôme. Parce qu'une fois qu'ils ont leur diplôme en poche, ils sont davantage outillés. Parce que quand ils sont en emploi, oui, à 12 ou 13 ou 14 $ de l'heure, ben si à un moment donné, souvent c'est pour des tâches répétitives, puis si à un moment donné, on n'a plus besoin d'eux pour ces tâches-là, ben ça va être les premiers à avoir besoin de retourner à l'école, puis on ne peut pas toujours rentrer au moment où on le souhaite, là. Non, non, puis il y a plein de choses qui viennent avec ça pour être capable de les garder, parce que ça fait partie de la persévérance, eux ils veulent bien, mais il y a toutes sortes de possibilités
que je savais qu'il existait, mais là, je suis rendu même dans les écoles de commission scolaire, genre, trouver des partenaires qui vont employer les jeunes 3 jours, puis qui vont venir à l'école 3 jours. Oui, alternance, travail-études. Mais c'est brillant, ça! Oui, c'est brillant. C'est brillant, il faut avoir des ententes avec les entreprises pour ça, parce qu'on s'entend que quand ils sont en entreprise, ben c'est du travail aussi pour la personne qui engage, là. On leur demande, on a des formateurs qui les suivent, qui vont les évaluer, tout ça, mais pour l'entrepreneur qui les engage, ben il y a une question, il faut qu'il s'en occupe. Oui, mais ils vont avoir un meilleur employé à absolument, terme. Absolument. Ils sont conscients de ça, là. Absolument. Sinon, c'est comme vous dites, aussitôt que ça va mal, c'est les premiers à partir, puis ça n'a rien donné à personne. Oui. Mais cette capacité-là de s'adapter au marché du travail, de s'adapter à la réalité des étudiants, ça permet d'autres projets aussi, comme carrément d'aller enseigner en entreprise. Oui, oui, il faut. On est à l'école, on est au 21e siècle. Alors, si on n'a pas d'élèves, il faut aller où sont les élèves. Et on a des belles aventures avec des entrepreneurs. Puis je vous vois, là, je pense qu'on a Tremcar en tête, mais on va former aussi des préposés aux bénéficiaires. On va diplômer des préposés aux bénéficiaires en emploi dans des CHSLD. On a des ententes avec le CIUS Montérégie Centre. Alors, c'est des expériences qu'on fait, puis ça améliore la qualité de vie de ces gens-là, et ils en sont très reconnaissants. C'est la société qui gagne, là. Absolument. Mais les élèves gagnent aussi, parce que ça leur permet de sécuriser un emploi à terme, mais les entrepreneurs, ils gagnent. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais vous, comme organisation, il faut que vous vous adaptiez. C'est pas le modèle de base, cela. Non, c'est pas le modèle de base, mais on n'a pas le choix. Même maintenant, on a des programmes, on fait des inscriptions, mais c'est des entrées individualisées. Ça veut dire qu'on prend les élèves, on les inscrit au programme au moment où ils sont disponibles, pour avoir le plus de chances possible de les diplômer. Moi, je me souviens d'entrevue il y a 10-15 ans, là, quand on parlait de persévérance scolaire. Le mot à la mode, j'ai commencé comme ça en disant « on est des bons décrocheurs, mais on n'est pas pire pour raccrocher aussi ». C'est-tu dans nos... pas dans notre gène, c'est pas dans nos gènes, mais c'est-tu un défaut qui fait partie de ce qu'on est, ça, ou c'est particulier à une époque, puis c'est plus comme ça aujourd'hui? Je pense que c'est un peu un phénomène social. Okay. Nos jeunes aujourd'hui, oui, tantôt, vous l'avez évoqué, ils demeurent longtemps chez leurs parents. Mm-hmm. Puis il y a toute la question de... ça leur prend un cellulaire, ça leur prend une auto, ça leur prend... On est vraiment dans la société où est-ce que ce qui est valorisé, c'est ici, maintenant. On n'a comme pas nécessairement... la patience d'attendre. Alors, je pense c'est que très c'est latin, aussi... ça. Absolument. Ça nous ressemble, ça. Ah oui, oui, oui. On a le défaut de ses qualités. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Et je pense que les commissions scolaires, actuellement, on est en pleine adaptation. On s'adapte pour les élèves, on s'adapte aussi pour être capable de fournir le marché du travail. Une semaine comme celle qu'on vient de vivre, c'est aussi un stimulant, puis on ne le dira jamais assez, pour ceux qui travaillent là-dedans à longueur d'année, là, parce Absolument. Que c'est aussi ça l'affaire. Là. Absolument, parce que oui, c'est les journées de la persévérance scolaire, puis on se réjouit beaucoup de voir les partenaires qui sont au rendez-vous pour les fêter, mais évidemment, nous, on le fait à l'année, mais durant cette semaine, c'était vraiment la fête de la persévérance scolaire. Il y a eu plein d'activités dans les écoles, on a reçu, il y a des écoles qui ont reçu « J'ai du temple », il y en a qui ont reçu toutes sortes d'exemples de persévérance. On a invité les parents à envoyer une lettre à leur enfant pour les encourager à continuer. Parce que vous venez d'une région, ou vous avez été d'une région où est-ce que la persévérance scolaire a été mise sur la carte, là, je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y avait une campagne à ce moment-là qui s'appelait « Un enfant a besoin d'un encouragement à chaque jour ». Mais c'est encore la vérité. Je pense que nos élèves, jeunes et adultes, ont besoin d'encouragement. Puis, il n'y a rien comme les liens signifiants avec un adulte qui vont faire qu'un jeune va rester à l'école. Je parlais de Laurent Duvernay-Tardy tantôt. Il était porte-parole cette année. Juste de voir le monde
autour de lui et du premier ministre, aller chercher des photos, ça m'impressionnait. On sent l'énergie, la grandeur du bonhomme. On l'aime, on le connaît pas, puis on l'aime pareil, tellement il y a un nom qui est populaire et tout ça. On va le recevoir ici dans la région, là. Il s'en vient, là. Oui, il va venir. Il a été invité par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. C'est lors d'un dîner qui est organisé par la Chambre de commerce le 15 mars. C'est au pavillon d'extase du Fort Saint-Jean. Puis, dans sa grande générosité, la Chambre de commerce et de l'industrie a invité aussi une soixantaine de jeunes footballeurs de la région pour aller bénéficier de l'exemple de persévérance de M. Laurent Duvernay-Tardif. C'est une très belle initiative de la part de la Chambre de commerce. Et je sais qu'il va attirer beaucoup de monde, mais en même temps, il va livrer le message qu'il a livré pendant la semaine de persévérance parce que ça fait partie de son ADN, ça fait partie de son credo, ça. Alors, de l'entendre nous parler de ça, ça va nous aider. Mais vous, là, quand je vous dis on va parler de persévérance scolaire, vous arrivez en courant, vous êtes contente de ça. Et vous en faites à longueur d'année, la persévérance scolaire. À longueur d'année. À longueur d'année. Puis il y a quelques années, on a fait une campagne à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, puis c'est encore présent, où est-ce qu'on invitait les entrepreneurs de la région, les parents. On a sensibilisé les élèves aussi, parce que les élèves, oui, il faut agir tôt, mais des fois, au secondaire, on avait constaté qu'en troisième secondaire, c'était une année difficile pour les élèves, où est-ce qu'on les perdait. Ils sont juste à 2 ans d'avoir leur premier diplôme d'études secondaires. Alors, on les a sensibilisés au fait que le nombre d'heures de travail par semaine quand tu es aux études. Alors, on a vraiment sensibilisé les entrepreneurs à ne pas faire trop travailler nos élèves. Les parents, il faut qu'ils soient conscients aussi que les élèves, les enfants, leur principal travail, c'est d'aller à l'école. Alors, on a fait cette campagne-là, on ne l'allonge pas, on est peut-être un peu moins actif, mais grâce aux journées de la persévérance scolaire, c'est toujours très actuel. On va s'arrêter là-dessus, mais je suis content qu'on en ait parlé autant, parce que c'est le genre de sujet de tous les jours qu'on voit passer, on tourne la page d'un journal, il y a une photo, quelque chose. Puis dans le fond, ça change pas juste les vies de ces élèves-là, mais de ces parents-là aussi. Dans le fond, ça touche pas mal plus de monde qu'on pense. Oui, ça change la vie des jeunes, ça change la vie des familles, puis la vie de leurs descendants aussi, là, parce qu'on prône tous la formation tout au long de la vie. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça m'a fait plaisir, M. Lemieux.